Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Seji. Bonjour Seji. Bonjour Violette. Comment ça va? Eh bien, ma foi, fort bien. Je découvre votre environnement, votre village. Mmh. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et puis j'ai la vue là sur un pentagramme qui me rappelle ce dont je suis porteur également. Oui, il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors écoute, Seji, toi, tu vas participer aux rencontres de l'inconnu pour la première fois cette année. Tu n'étais pas là l'année dernière, tu fais partie de nos nouveaux conférenciers. Et tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous parler à la fois de géographie sacrée et de sciences humaines. Et parce que en fait, c'est deux parties de mon existence. Les sciences humaines, pendant très longtemps, j'étais psychothérapeute, consultant en entreprise, et il m'a été donné également d'être maître de conférence en université. Et là, je m'étais spécialisé sur les stades de développement et sur une approche qu'on appelle l'approche intégrale, qui a cette particularité par rapport au thème de vos rencontres de cette année, de bien distinguer les stades de développement qui sont en alternance masculin-féminin. D'accord. Et donc j'ai beaucoup travaillé à partir de là, et à partir de l'approche intégrale, eh bien, j'ai un peu extrapolé, j'ai créé mes propres schémas, j'ai développé mon propre modèle. Et donc ça va être la partie sciences humaines qui sera la seconde partie de ce que je vais aborder. Et la première partie, elle va être plus tardive dans ma vie, parce que ça m'est tombé dessus qu'il y a quelques années, depuis 2018, sont des découvertes, on peut dire, de géographie sacrée, mm-hmm. donc de différents alignements sur la France, mm-hmm. qui forment des symboles. Ouais. Et quand on décrypte, quand on interprète ces différents symboles, on se rend compte que le message, l'enseignement, est lié à la rencontre du masculin et du féminin. Tout d'abord, terrestre, pour accéder à un masculin et féminin sacré. Plus céleste. Alors, pour avoir assisté à une de tes conférences au mois de juin de cette année au Festival de la Merveille et des Mystères de Stéphane Levacher et de Nicole, son épouse, j'avoue que j'avais été assez bluffée, impressionnée par effectivement par tout ce que tu nous avais montré en termes de symboles sur justement notre pays, la France. Alors moi, j'ai vraiment une question qui me taraude depuis déjà assez longtemps, mais je profite de t'avoir en face de moi pour te la poser. Qu'est-ce que la France a de particulier par rapport aux autres pays du monde pour être à ce point sacralisée? C'est une excellente question à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais on me demande toujours pourquoi la France. La meilleure réponse que je peux faire, c'est j'en sais rien. Mais il se trouve que de fait, dont acte, on trouve dans plusieurs cultures la citation de la France comme un pays important. Je pense que ce qui est inscrit à la fois dans sa forme, l'hexagone, à la fois dans les différents alignements que j'ai pu découvrir, mais mm-hmm. il y a plein d'autres collègues, mm-hmm. des traceurs de lignes, comme on s'appelle entre nous, mm-hmm. Qui découvrent des tas de choses très étonnantes sur ce pays-là. Et quand on fait un petit peu, quand on voyage sur YouTube ou autre, on se rend compte qu'il n'y a pas que des Français qui évoquent le rôle de la France dans mm-hmm. l'évolution des sociétés. Mm-hmm. Après, on sait bien que historiquement, la France a toujours été une forme de porte-flambeau de mm-hmm. certaines nouveautés culturelles, politiques, etc. Reste à espérer que... Artistique aussi, je pense. Comment? Artistique aussi. Ah, bien sûr, mm-hmm. j'inclus l'artistique dans le culturel. Mm-hmm. Et reste à espérer qu'elle soit encore aujourd'hui le porte-flambeau de nouveautés, mm-hmm. plutôt des nouveautés lumineuses que des nouveautés sombres, comme certaines se montrent actuellement. Et pour le coup, vu ce qui est inscrit sur la France et vu ce dont je vais parler, et puis d'autres conférenciers vont parler, mm-hmm. je pense que cette condition que la France retrouve ce pourquoi elle est faite, mm-hmm. c'est que le masculin et le féminin puissent se rencontrer et être complémentaires. Donc, pourquoi la France? J'en sais rien, mais de fait, elle est marquée depuis très longtemps de ce message-là. Et quand je dis très longtemps, c'est les aspects géographie sacrée. Une bonne partie sont liés à l'histoire des Templiers, mm-hmm. parce que je montrerai brièvement pourquoi on peut affirmer que les Templiers sont dans la réalisation de cette œuvre de géographie sacrée sur la France.
mais ils ont repris des lieux qui avaient une consonance celte, donc des lieux qui étaient dédiés à des divinités celtes au préalable. Donc, nos anciens ont marqué la France de ces messages-là, et à chaque fois, on a bien une conjugaison des divinités masculines et des divinités féminines qui, par diverses lignes, se rencontrent, s'harmonisent, s'unissent et déterminent un chemin initiatique. Je suis français, c'est sur la France que j'ai fait ces découvertes. On va faire cocorico? Peut-être non, je ne veux pas aller jusqu'à faire cocorico. Les gens me demandent, il n'y a pas d'autres pays, mais j'en sais rien. Le hasard ne m'a pas permis de découvrir d'autres choses sur d'autres pays. Voilà. Et alors, est-ce que... Alors, je vais pousser ma question un peu plus loin. Est-ce que il n'y aurait pas une volonté malveillante, sous-entendu, hein, dans ce, justement d'anéantir cette sacralité française? Parce que quand on voit ce qui s'est passé pendant la Révolution française, par exemple, on a l'impression que déjà là, elle a été très attaquée. Alors, oui, il y a évidemment une forme de volonté de diminuer la puissance de la France. Et pour ceux qui s'intéressent à l'actualité sous ses formes politiques et économiques, c'est absolument évident. Et alors après, certains la voient comme plutôt bienveillante au service d'un projet plus large. Ce qu'il y a en arrière-plan peut être considéré au départ comme heureux, puisque au point de départ, l'imaginaire dit que c'est à cause des nationalismes qu'il y a les guerres. Donc supprimons le nationalisme et nous supprimons les guerres. Oui. Le seul petit problème, c'est que cette façon de penser n'intègre pas les réalités des choses. C'est que chaque pays a sa culture, a son histoire. De même qu'on ne forme pas un couple, alors aujourd'hui, ce n'est pas que les couples masculins-féminins, mais on va dire même à l'intérieur de soi, masculin-féminin, on ne forme pas un couple en perdant son identité propre, en perdant sa propre richesse. Donc, le masculin doit garder ses richesses, ses fonctions, ses énergies, le féminin également, et c'est leur complémentarité, leur harmonisation qui fait la création nouvelle. Et l'erreur de ceux qui pensent que le nationalisme va conduire obligatoirement à la violence, même si ça a été vrai dans l'histoire, c'est du coup d'oublier totalement que, mais derrière un nationalisme bien compris, bien vécu, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une richesse, civilisation. Ce sont des spécificités et que c'est la rencontre des spécificités qui va faire qu'on va créer quelque chose de neuf. L'illusion, et c'est là peut-être que la volonté politique ou géopolitique de certains, et de penser qu'en ayant une forme d'absolutisme politique, on va résoudre le problème. Non, au contraire, on va dans le mur. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Et alors, comment va s'appeler ta conférence? Alors, il faut que je me rappelle du nom que nous venons de lui donner. Alors, Yin et Yang sur la France, quand géographie sacrée et sciences humaines se rencontrent. Ouais, ça c'est un joli titre. Ça, c'est un joli titre où on perçoit à la fois le côté matériel et le côté spirituel qui est sous-jacent. Et c'est ça qui est intéressant. Et oui. Et même, bon, quand on parle de sciences humaines, mes spécialités, c'était plutôt à l'époque où je travaillais dans ces domaines-là. Et donc, initialement, je suis criminologue et je suis donc, bien entendu, intéressé à la psychologie, à la sociologie. Donc l'évolution individuelle et l'évolution collective. Mais tu viens de parler de spiritualité. Et mon histoire antérieure a fait que c'est quelque chose qui m'a toujours questionné, même plus que questionné, qui m'a toujours habité de différentes façons. Et de ce fait-là, dans mes travaux, dans mes recherches en matière de psycho, j'ai essayé de comprendre aussi les dynamiques psycho-spirituelles. Comment les stades de développement individuel ou collectif et comment la rencontre justement des dynamiques, des fonctions psychiques à caractère masculin et des fonctions psychiques ou énergétiques à caractère féminin avait une logique cohérente qui nous amenait progressivement à franchir des étapes de développement de la spiritualité. Et donc ce titre rejoint effectivement quelque chose que les anciens ont écrit sous des formes plus symboliques,
de personnages bibliques ou de lieux-dits à caractère très marqué, voire parfois assez coquin d'ailleurs. Et ça se relie avec mes travaux antérieurs. Et tout ça, donc, sur une base matérielle, historique, géographique, symbolique, ou alors de pure sciences humaines. Mais on voit que cet ensemble, un seul itinéraire, c'est celui qui nous pousse à rejoindre ce qui nous dépasse. Exactement, exactement. Alors, tu parlais de ton passé de criminologue. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant cet aspect de ta personnalité ? Alors, c'est un passé, c'est une formation de criminologue. Je suis juriste et criminologue. Et en fait, assez vite, pour des raisons tout simplement de handicap auditif, ce à quoi je me destinais m'a été fermé, parce qu'au moment de passer le concours de commissaire, on dit « Ah non, cher monsieur, vos oreilles ne sont pas suffisamment en bon état. Mm-hmm. » Ouf. Donc la police n'a pas voulu de moi. Et donc, et aujourd'hui, oh merci. et donc du coup, il a fallu que je me réoriente. Et après un petit passage, un long passage en Afrique, eh bien, je me suis réorienté vers la direction d'établissements socio-éducatifs. Donc j'ai été du côté de l'accompagnement des jeunes en difficulté ou de l'accompagnement d'établissements du type centres sociaux. Donc ce qui m'a permis d'être plus dans la pédagogie, dans la psychologie, dans la thérapie, etc. Et moins dans l'enquête, la répression. Néanmoins, ma vie a été faite beaucoup d'expériences professionnelles. Il m'est arrivé de reconvoquer mon cerveau de criminologue dans certains projets. Mais c'est pas... Enfin, c'est intéressant parce que justement, ça te donne une perspicacité, une acuité, un regard très affûté sur les choses. On ne peut pas te la faire, toi, hein, on ne peut pas te la mettre à l'envers, comme on dit vulgairement. Hein. En tout cas, ça donne une façon de penser qui est très différente de celle des historiens, par exemple. Oui, parce que dans mes travaux sur la géographie sacrée, c'est beaucoup lié à l'histoire. Et donc, je fais des découvertes que seul un cerveau de criminologue peut faire. Parce qu'un historien ne travaille pas sur les mêmes sources, n'a pas les mêmes façons de rejoindre les indices entre eux. Et donc, il ne veut pas dire que leur travail est mauvais. Non, non. C'est-à-dire qu'on a une façon de travailler très différente. Et donc, on aboutit à mettre bout à bout des indices très différents. Et les conclusions qu'on en tire... qui sont souvent des hypothèses. Le criminologue ne tire pas de conclusion. Il présente au juge les hypothèses suite à l'accumulation des indices et des faisceaux d'indices. Et donc, oui, ça, la chance que j'ai eue, c'est que cette conjugaison du droit, en tant que juriste, et de la criminologie, m'a permis d'avoir une pensée extrêmement structurée, structurante, et néanmoins un regard très large, très ouvert sur tout ce qui pouvait se présenter à moi comme indice. D'accord. Et c'est aussi cette façon de penser-là qui m'a amené à être attentif à tous les petits indices que le hasard me glissait pour faire les découvertes que je fais sur la France. Alors le hasard ou les synchronicités ? Bon, on va dire, comme le disait Einstein, le hasard c'est le moyen que Dieu prend pour passer incognito. C'est ça. Donc on peut appeler ça des synchronicités, des synchronismes parfois, il ne faut pas confondre les deux. Oui, j'ai beaucoup beaucoup de synchronicités tout à fait hallucinantes. Et qui, étonnamment, m'amène à conclure que ce que je découvre dans l'histoire et mon travail antérieur et ce que j'ai reçu en canalisation, parce qu'il y a aussi ça dans les événements, je vous ferai peut-être quelques petits extraits d'ailleurs en fin de conférence. Oui, avec grand plaisir. En canalisation, mais tout ça forme en fait un faisceau d'indicateurs d'une mission particulière, d'un travail particulier dont je ne suis que le facteur, que le porteur, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci à toi en tant que messager, puisque tu nous parles du facteur et du porteur. Et puis, au plaisir de te rencontrer directement sur la scène de l'espace Françoise Sagan à Cajarc au mois de mai prochain. Le plaisir sera largement partagé. Merci beaucoup, Cédric. Merci d'avoir pensé à moi. À bientôt. À bientôt.